Nîmes 8e recevait Grenoble avec l'objectif de renouer avec la victoire après deux défaites de rang, battue par Dunkerque, un autre mal classé lors de la dernière réception aux Costières. Les Crocos étaient prévenus du danger qui pouvait les guetter. Très vite réduit à 10, les Grenoblois vont se mettre en difficulté avec à la 37e minute cette faute de main de Brice Maubleu dont profite Moussa Koné, l'attaquant sénégalais, marque ici son 7e but de la saison. Un autre suivra peu avant l'heure de jeu en deuxième période. Avec 8 buts inscrits, Koné est à une unité de son total de la saison dernière et s'affiche comme un élément déterminant du Nîmes Olympique dans cette fin de saison. Arrivé de Dakar à Zurich en 2015, Koné a ensuite évolué en Allemagne au Dynamo Dresde avant de rejoindre le Gard à l'hiver 2020. Les deux buts de l'attaquant sénégalais permettent notamment à Nîmes de s'imposer 3 buts à 1 face à Grenoble, aux côtés des Scandinaves Eliasson et Omarsson. Koné, 25 ans, propose un profil différent, très utile pour Nicolas Houssaï, désireux d'emmener les Crocos en play-off.